Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Duplicate Club. Je vous propose aujourd'hui une partie intopable. Alors, une partie intopable. Alors, ne jouez pas le mot intopable, hein. Le mot n'est pas admis. Topable non plus, d'ailleurs. Si vous avez les lettres de topable, vous jouez potable. C'est préférable, parce que sinon, c'est zéro. Une partie intopable, c'est une partie très difficile à toper en réalité. Bien sûr, quelques champions y parviendront. Enfin, bien sûr, j'en sais rien. À voir, hein, je vais diffuser ça sur les réseaux sociaux, enfin sur Facebook en l'espèce, puisque c'est le seul réseau social sur lequel Duplicate Club est réellement présent pour le moment. Et donc c'est à destination bien sûr des champions, mais tout le monde peut s'essayer. Alors pourquoi c'est à destination des champions? C'est parce que pour les aider à se préparer un petit peu, puisque du 22 au 30 juillet, là, dans une dizaine de jours, hein, il y a les championnats du monde, les 50e championnats du monde à Louvain-la-Neuve, en Belgique. Et les champions, bah, ils ont besoin de s'entraîner un petit peu sur des choses un peu difficiles, hein, parce qu'il va y avoir on ne sait jamais, dans les parties aléatoires de ces grands tournois qui durent. Alors là, l'épreuve principale, l'élite, dure 7 parties. Donc 7 parties, c'est long. Et puis en termes de probabilité, il peut y avoir des coups. Voilà, il peut y avoir des coups assez délicats. Et donc une partie intopable, c'est une partie avec beaucoup de mots, des tops uniques, quelques scrabs, mais pas forcément. Des mots difficiles en termes de vocabulaire, pas forcément non plus. Hein, il n'y a pas des mots de 12 ou 13 lettres que personne ne connaît, on n'a jamais vu de sa vie. Mais voilà, c'est des mots difficiles à construire, difficiles à placer, difficiles à connaître parfois, mais voilà, il n'y a pas de choses tordues non plus. Voilà, un mot de 14 lettres sorti de nulle part. Voilà, il n'y a pas ce genre de choses, mais l'accumulation de plusieurs coups difficiles à trouver fait qu'au final, la partie est quasi impossible à toper. Donc si jamais vous y arrivez, ben, tant mieux, hein. Bravo pour vous. Bravo à vous, pardon. Et voilà, bon, bah, écoutez, on va démarrer. Donc la partie, elle est proposée comme d'habitude sur la chaîne pour toutes les parties inédites, enfin les parties inédites, les parties propres à la chaîne, qui ne sont pas des parties de tournoi. Elle vous est proposée en trois temps de réflexion. Donc il y a trois versions de la partie, 1 minute, 2 minutes et 3 minutes par coup. Et puis à l'issue de la partie, là pour le coup, alors je ne le fais pas tout le temps, mais là il y aura forcément un décodage, hein, ça s'impose. Vu la difficulté de la partie, je vous indiquerai les définitions des mots peu courants, les isotopes, les sous-topes, les potentialités des tirages, tout ça à la fin de la partie, dans le traditionnel décodage. Allez, on va démarrer donc cette partie intopable que je vous souhaite agréable malgré tout. Oui, il n'y a pas de raison. Allez, on y va. Vous n'avez aucune lettre devant vous. Voici Algérie A. Uruguay U. Norvège N. France F. Canada, c'est votre premier joker, lettre blanche, et Wallonie, W. Vous jouez avec Algérie, Uruguay, Norvège, France, Canada, joker et Wallonie. Chrono.
Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Alors, avant de vous annoncer le top de ce premier coup, une petite parenthèse. Pour ce genre de partie, en fait, c'est le genre de contenu que je vais proposer sur la chaîne si on peut poursuivre l'aventure. Et pour cela, il y a besoin d'avoir 1000 abonnés. Et vous êtes actuellement 904 à suivre la chaîne Duplicate Club sur YouTube. Donc, évidemment, si vous voulez soutenir ce genre de partie ou même la chaîne en général, abonnez-vous, s'il vous plaît, et puis parlez-en aussi un maximum autour de vous. Merci. Alors, un premier coup à 30 points. Vous ferez attention à la place. Le joker sera un Q de Québec, horizontalement en H5. Nous posons WACF, W, A, le Joker, Q de Québec et le F sur la case centrale. WACF, WAQF en H5, ça fait 30 points. Trois lettres au reliquat, Canada, Norvège et Uruguay. Eh bien, vous allez les rejeter. Donc, vous rejetez le C, le N et le U. Et voici Canada, C. Roumanie, R. Égypte, E, deux fois. Luxembourg, L, deux fois. Et Maroc, M. Vous jouez avec Canada, Roumanie, Égypte deux fois, Luxembourg deux fois et Maroc. Chrono. Il vous reste 30 secondes.
Le coup est terminé. Un top à 20 points, verticalement en 6H. En partant du A de Wakf, nous descendons Almelek. A, L, M, E, L, E, C. Almelek, A, L, M, E, L, E, C en 6H, ça fait 20 points. Une lettre au reliquat, Roumanie. De nouveau, nous allons la rejeter. Donc, vous rejetez le R. Et voici cette nouvelle lettre, Norvège, N. Égypte, E. Uruguay, U. Italie, I. Venezuela, V. Italie, I, deuxième. Et Algérie, A. Vous jouez avec Norvège, Égypte, Uruguay, Italie deux fois, Venezuela et Algérie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Vingt-sept points. Horizontalement en I2, en appui sur le premier L de Almelek et en collante sous Wakf, nous posons Aveli. A, V, E, U. L, I. Le U forme Wu avec le W et le I forme Qui avec le Q de Wakf. Aveli, A-V-E-U-L-I, en I2, ça vaut 27 points. Deux lettres au reliquat, Italie et Norvège. Une nouvelle fois, il y a eu un rejet, donc on enlève
le I et le N. Et on prend Océanie O deux fois. Roumanie R deux fois. Portugal P. Océanie O deux fois, ce qui en fait 4. Vous jouez avec Océanie 4 fois, Roumanie 2 fois et Portugal. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Quatorze points. Vous ferez attention à la solution choisie. Horizontalement en L3, en appui sur le L disponible de Almelec, nous posons Prolo. P-R-O-L-O. Prolo, P-R-O-L-O en L3, ça vaut 14 points. De trois lettres au reliquat, Océanie deux fois et Roumanie. On ajoute Tunisie T. Roumanie R, c'est le deuxième. Égypte E. Et Hongrie H. Vous jouez avec Océanie deux fois, Roumanie deux fois, Tunisie, Égypte et Hongrie. Chrono.
Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Quatre-vingt-douze points verticalement en 3G, en double appui sur le V de Avely et le P de Prolo. Nous descendons overport. H O V E R P O R T. Alors je rectifie la prononciation, c'est overport, on le prononce à l'anglaise. Donc overport, H O V E R P O R T. En 3G, ça fait 92 points. Après ce Scrabble, aucune lettre au reliquat. Voici Tunisie, T. Italie, I. Roumanie, R. Norvège, N. Grèce, G. Suisse, S. Et Algérie, A. Vous jouez avec Tunisie, Italie, Roumanie, Norvège, Grèce, Suisse et Algérie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Quatre-vingt-cinq points. Verticalement en 8F, en appui sur le F de WACF, et de façon à prolonger Avely et Prolo, nous descendons Rafting,
R-A-F de WACF, T qui transforme Aveli I en Aveli IT, I-N le G qui vient transformer Prolo en Prologue, et S. Rafting, R-A-F-T-I-N-G-S en 8F, ça fait 85 points. Après ce Scrabble, aucune lettre au reliquat. Voici Maroc M. Italie I. Norvège N deux fois. Suisse S. Tunisie T. Algérie A. Vous jouez avec Maroc, Italie, Norvège deux fois, Suisse, Tunisie et Algérie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Quatre-vingt-seize points. Horizontalement, en K5, en double appui sur le premier E de Almelec, le N de Rafting et en collant au-dessus de Prologue, nous posons Tennisman. T-E-N-N-I. S, M, A, N. Le T forme TO avec le premier O de Prologue et le N forme NO avec le deuxième O. T, E, N, N, I, S, M, A, N. Tennisman en K5. Ça fait 96 points. Aucune lettre au reliquat après ce Scrabble. Voici Yougoslavie Y. Océanie O. Hongrie H. Égypte E. Luxembourg L. Égypte E deuxième. Et votre deuxième joker. Lettre blanche, vous jouez avec Yougoslavie, Océanie, Hongrie, Égypte deux fois, Luxembourg et Joker.
Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 91 points. Le joker va remplacer un M de Maroc verticalement en 10 E. On appuie sur le S de tennisman. Nous descendons Hémolyse. H, E. Joker M de Maroc, O, L, Y, S, E. Hémolyse, H, E, M, O, L, Y, S, E, en 10, E, ça vaut 91 points. On a de nouveau scrablé, donc de nouveau aucune lettre au reliquat. Voici Grèce G, Égypte E deux fois, Tunisie T, Portugal P, Suisse S deux fois. Vous jouez avec Grèce, Égypte deux fois, Tunisie, Portugal et Suisse deux fois. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Quarante-deux points. Horizontalement en M2, en triple appui sur le deuxième O de Overport, le deuxième E de Almelec et le S de Rafting, tout en mettant un S au bout de Hémolyse, nous posons Poétesse. P-O-E-T-E-S-S-E-S. Verticalement, on forme Ré, R-E, T-O-T,
NoNOS avec les lettres déjà en place, et on met également Hémolyse au pluriel. N'oubliez pas le S final. Hein. Poétesse, P-O-E-T-E-2-S-E-S en M2, ça fait 42 points. Une lettre reliquat, Grèce. On ajoute Algérie A, Italie I, Océanie O, Luxembourg L, Norvège N et Danemark D. Vous jouez avec Grèce, Algérie, Italie, Océanie, Luxembourg, Norvège et Danemark. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un top à 77 points. Attention à la place verticalement en 2C. On appuie sur le A de Avely et en collant à gauche des premières lettres de Overport, nous descendons à la verticale, mais nous descendons le mot diagonale. D-I-A-G. O-N-A-L. Horizontalement, nous formons O-O-H, No-N-O et Le-L-E avec trois des lettres de Overport. Diagonale, D-I-A-G-O-N-A-L en 2C pour 77 points. Aucune lettre au reliquat. Voici Italie I, deux fois. Uruguay U, deux fois. Norvège N. Xénophon X. Et Jordanie J. Vous jouez avec Italie deux fois, Uruguay Nord. Pardon. Italie deux fois, Uruguay deux fois, Norvège, Xénophon et Jordanie. Chrono.
Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Quatre-vingt-onze points. Horizontalement en F4, en double appui sur le R de rafting et le premier E de hémolyse, nous posons injurieux. I-N-J-U-R-I-E-U-X. Injurieux, INJIURIEUX en F4, ça fait 91 points. Aucune lettre au reliquat, de nouveau. Voici Belgique B. Roumanie R. Uruguay U. Suisse S. Égypte E. Une fois, deux fois, trois fois. Vous jouez avec Belgique, Roumanie, Uruguay, Suisse, Égypte trois fois. Et chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 83 points. Faites attention à l'orthographe et à la place du mot. Verticalement en 11A, en appui sur le deuxième U de injurieux et en collante à droite de hémolyse, nous descendons. Rebeu, R-E-U, B-E-U de injurieux, E-S. Horizontalement, nous formons E-H-E, M-E-M-E et O-S avec trois des premières lettres de hémolyse. Rebeu,
REUBEUS en 11A. Ça fait 83 points. Voici cette nouvelle lettre. Uruguay, U. Tunisie, T. Égypte, E. Norvège, N. Luxembourg, L. Uruguay, U. Deuxième. Algérie, A. Vous jouez avec Uruguay deux fois, Tunisie, Égypte, Norvège, Luxembourg et Algérie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Quarante-six points. Verticalement en 12B pour terminer sur le X de injurieux et à droite, de Rebeu, nous descendons Uno. U N A U X. Au passage. Nous formons U, E, U, 1, U, N, BA, BA et E, H, E, U. UNO, U, N, A, U, X en 12B, ça vaut 46 points. Trois lettres reliquats, Égypte, Luxembourg et Tunisie. Voici quatre lettres pour compléter. Roumanie, R. Italie, I. Suisse, S. Et Danemark, D. Vous jouez avec Égypte, Luxembourg, Tunisie, Roumanie, Italie, Suisse et Danemark. Chrono.
Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Trente-trois points verticalement en 13A en collant à droite des lettres de Rebeu, de Uno, etc. Nous descendons Désir. D-E-S-I-R. Au passage, nous formons 4 mots. U-E-E, 1-U-N-S. B, B-A-I, et Heur, H-E-U-R. Désir, D-E-S-I-R, en 13A, ça fait 33 points. Un reliquat de 2 lettres, Luxembourg et Tunisie, que nous complétons avec Égypte, E. Zambie, Z. Venezuela, V. Italie, I. Égypte, E. Deuxième. Vous jouez avec Luxembourg, Tunisie, Égypte 2 fois, Zambie, Venezuela et Italie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. 111 points. Verticalement en 14D. Pour mettre un L au bout de B et un E au bout de R, nous descendons léviter. L-E-V-I-T-E-Z. Le L transforme B en bail, B-A-I-L, et le R transforme R, H-E-U-R, en R, H-E-U-R-E. Léviter, L-E-V-I-T-E-Z, en 14D, ça fait 111 points.
Aucune lettre au reliquat après ce Scrabble. Voici Maroc M, Égypte E, Canada C, Algérie A, France F, Kenya K, Kenya, et Algérie A, c'est le deuxième. Vous jouez avec Maroc, Égypte, Canada, Algérie deux fois, France et Kenya. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 59 points. Verticalement en 15A. Pour mettre un E au bout de bail, nous descendons fake. F-A-K-E. Le E transformant bail en bailé. B-A-I-L-E. Fake. F-A-K-E en 15A, ça vaut 59 points. Aucune. Ah non, si, pardon, excusez-moi. Trois lettres, reliquat, Algérie, Canada et Maroc. Nous ajoutons Danemark D. Algérie A, c'est le deuxième. Belgique B. Et Tunisie T. Vous jouez avec Algérie deux fois, Canada, Maroc, Danemark, Belgique et Tunisie. Chrono.
Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Ce sera le dernier coup de cette partie intopable. Intopable entre guillemets, d'une part parce que le mot n'est pas admis, et intopable parce que c'est bien évidemment subjectif. Il se peut quand même que. Enfin, c'est théorique, hein. Il se peut quand même que certains d'entre vous parviennent à la toper. Donc un maximum à 28 points, verticalement en 4A. Pour terminer sur le I de injurieux, nous descendons Cambai, C-A-M-B-A-I. Cambai, C-A-M-B-A-I en 4A, ça fait 28 points. C'était donc le 17e et dernier coup de cette partie, et le top cumulé est de 1025 points. Jolie partie, n'est-ce pas? Allez, on va décoder tout de suite, c'est-à-dire qu'on va aller voir les isotopes, les sous-topes, les autres possibilités de Scrabble, et puis les définitions des mots peu courants. Allez, on y va. Alors, sur la chaîne Duplicate Club, un décodage, c'est une petite rubrique de 25-30 minutes, hein, qui se tient en trois temps. Premier temps, on passe en revue les coups de la partie pour voir les isotopes et les principaux sous-topes. Deuxième temps, les définitions des mots peu courants qui défileront, et j'en donnerai lecture, dans le rectangle vert à gauche de la grille. Et puis troisième temps, les potentialités des tirages. Alors ce sera un autre affichage, mais ce sera pour passer en revue tous les tirages de la partie, en fait, pour voir les solutions en 7, 8 et parfois 9 lettres que nous n'aurions vues ni pendant la partie en elle-même, ni pendant le premier temps du décodage, c'est-à-dire parmi les isotopes ou les sous-topes, les principaux. Et donc ça c'est le troisième temps, pardon. Et en bas vous avez deux petites lignes qui défilent. Voilà, c'est un peu de vocabulaire. La première ligne, quelques mots issus de la partie que je vous invite à retenir, hein, comme Almelec par exemple, qui est l'anagramme de Camel. Prolo qui se prolonge d'un G. Faire prologue, qu'est-ce qu'on a d'autre? Baile, B-A-I-L-E, qui est un nom masculin qui se prononce Baile. On verra la définition tout à l'heure. C'est un E, on rajoute un E au bout de Baile, donc voilà. Et la deuxième ligne qui défile, d'une manière générale, je mets une phrase mnémotechnique pour retenir une série de mots en particulier. Une petite liste de mots, par exemple les mots avec X, Y, ou les mots qui commencent par X, etc. Ça dépend de ce qui est apparu dans la partie. Ou alors un tirage, un 7 plus 1 intéressant. Voilà, ça dépend de la partie. Et là, je vous ai mis, du coup, comme on a eu un superbe Scrabble en appui en 8 lettres, la REBEUBEUES, orthographe qui semble improbable, eh bien, je vous ai mis toutes les flexions du mot REBEU, REBEU. Sachant que c'est un nom et un adjectif, du coup il y a un féminin, un masculin, singulier, pluriel, et puis en plus le masculin a deux pluriels, S ou X, donc ça fait en tout 10 graphies différentes. Donc en gros, hein, vous avez REBEU, voilà, vous pouvez ajouter à la fin un E, un S ou un X, donc ça fait 4 graphies, et puis en plus il y a le ES. Donc ça fait 5 graphies. Et entre le premier E et le B, on peut rajouter un U. Et donc du coup, ça fait 10 graphies, 10 formes différentes que vous pouvez retenir rien qu'avec cette simple petite règle.
Enfin, règle, cette petite info, quoi. REBEU, on peut mettre ESX à la fin et rajouter un U entre le E et le B. Et puis ES aussi à la fin, dans les deux cas. Voilà, allez, on y va. Donc, pour le décodage de cette partie, alors en général, il n'y a qu'un seul coup au top, hein, pour que justement, pour que ce soit réputé intoppable. Alors, il y a eu un coup où il y avait un isotope à la fin et puis sur Prolo, je crois. Voilà. C'est exceptionnel. Alors là, un petit piège, hein, WACF, ZOKERQ, c'est pas évident, ça fait 30 points. Sous Top Faucon, on se dit, tiens, le piège, c'est le W en lettres parasites, donc voilà, on trouve Faucon, on peut se contenter de 28. En fait, il y a quand même une solution avec le W et le F à 30 points. Donc WACF, on verra la définition tout à l'heure. Faucon à 28, et puis on avait Canif, Façon, Fancy, Flan, Fonça. Franc à 26 également. Enfin, également, non, à 26. Parce que Faucon était la seule solution à 28. Alors, ensuite, pas de Marcel, E de Zelle. Almelec, donc le M qui triple et le C qui triple. Un petit coup un peu planqué. 20 points, sous top à 18 points avec réclame. Presque le même principe, sauf que le M ne triple pas, et puis même place, clamé, clamé, ER et ou et E, cramé, ça fait 17, clame, crame, ça fait 16, Marcel, ça fait 15. Voilà, forcément pas grand-chose avec WQF sur la grille, si on n'a pas de U pour où, ni de I pour qui, on peut pas jouer grand-chose à ce moment-là. Le coup suivant. Aveli, donc qui forme où et qui, un petit peu planqué aussi, c'est le but de la partie. 27 points, sous top à moins 1, avec 20 VIN à la verticale, avec le V en pivot sur la case rose. Et en N2, on a deux mots doubles sur le C qui utilisent le V, qui font 24 points, et 20 C, AI et 20 Q, UE. Et 20 ça et 20 Q sont la lettre finale, ça fait 22, tout comme Nivelet en L2 et son anagramme vilaine en L4. Alors ici, deux solutions à 14, repro et prolo. Alors j'ai retenu prolo pour la suite de la partie, bien sûr, mais même en temps normal, je pense que j'aurais retenu prolo, puisque on utilise deux os, il nous reste deux. Voilà. Et puis repro, alors on pouvait mettre un S et puis faire reprocher, etc. Mais prolo, c'est on pouvait mettre un S ou un G. Et puis on peut prolonger okay, aussi, c'est le cas de le dire. Donc Prolo était le choix qui s'imposait. Donc Prolo à 14 égalé par Repro en K5. Et puis on a des petits sous-tops à moins 2 là en L4, Polo, Poule, Port, en K3, ou N3. Enfin voilà, rien de folichon sur ce coup, mais il fallait passer par là pour la suite. Alors ici, là, ça c'est un coup très difficile. Overport, il faut connaître, on verra la définition tout à l'heure, en double appui. C'est jamais facile les doubles appuis. 92 et sous top, c'est cher, comme on dit. 60 points derrière avec OE, Ré ou T en J1. Le H en pivot sur la case bleu foncé. Même place et fait 31. Et en K5, on a hétéro, un peu planqué, à 30. Alors, un coup un peu piégeux aussi, puisque si on voit rating. En se rendant compte que ça gagne un point sur granit, gratin, grinta, grisant et ingrat, on peut se dire, tiens, un point de plus qu'une flopée de solutions, ça a une belle tête de top, et bien il y a quand même un peu plus cher, avec un peu plus planqué. Rafting qui met un T à Aveli et un G au bout de prolo pour faire prologue. Et donc en dehors des solutions déjà évoquées, on avait également à 71 et grisant. En K6, Résinia et Seringa en M5 à 67, 66 et Ingrat au pluriel passe aussi en G8 pour 65. Voilà. Allez, encore un coup planqué. Tennisman, encore un coup cher aussi, moins 61 si on ne scrable pas en double appui avec des collantes. C'est pas facile, bien évidemment. Sous top à 35 points avec matin ou mi-temps en O1. Tatin Titan également en O1, mais ça fait 32. Matin passe aussi et mi-temps également en 9C.
pour 31 points, mettant un S au bout de WACF. Le coup suivant, le Joker, le Y, ça fait toujours un peu peur. Alors on a éployé en sous-top, hein, qui permet d'assurer, de limiter la casse si on ne scrable pas avec Hémolyse. Wa au pluriel en J1, ça fait 64, le Y en pivot sur la case bleue. Puis vous avez toute une flopée de solutions à cet endroit-là avec le Y en pivot. Sinon, on a également 60 points avec Mythe ou Mytho en O1, le H qui double, le Y dans le mot et le mot ensemble dans son ensemble qui triple. Ça fait un score joli de 60 points. Et le top Hémolyse, Joker M, le Y sur la case bleue-verte. Case bleu foncé. Alors, voilà un coup qui est sublime. Poétesse en triple appui avec le S qui vient mettre Hémolyse au pluriel. Ça colle sur trois paquets. Quoi. Voilà, ça fait trois mots verticaux, on va dire. Voilà. Et donc, c'est bien planqué. Poétesse en M2, ça fait 42 points. On pouvait se contenter de PES, PE2SES, si on connaît le mot, en M5 pour 39, ou alors encore de PET, PE2TES en O1 pour 38. Et en M10, plusieurs solutions à 34, enfin deux solutions à 34, SPET et STEP. SEP, SET, SPET au singulier, ça fait 32 au même endroit. Bon, puis après tous ces mots-là passent à différents endroits. Notez également PEST en 14i pour 31 points. Voilà un magnifique coup, je trouve. Vous direz dans les commentaires quel est le coup que vous avez trouvé le plus joli, s'il vous plaît. Alors ensuite, diagonale de place. Donc la difficulté, c'était de le placer au bon endroit. 3 points de plus que la place évidente en 12E. Là, ça colle un peu. Diagonale, bien sûr, c'est un... Là, on l'écrit AL. Alors on connaît surtout sous le nom, sa forme non féminin, hein, une diagonale. Mais c'est un adjectif, hein, faut bien retenir ça. Diagonale, diagonaux. AUX et puis diagonale ALE bien sûr. Et donc c'était le seul scrap possible sur ce coup, enfin en tout cas oui, avec ce tirage et cette configuration de grille. Et derrière on était à 26 points avec Aiglon, Digon, Gadin et Galion en colonne 11 pour coller à droite les premières lettres de Hémolyse. Le coup suivant, un coup un peu difficile si on n'a pas envie de chercher un scrabble. On a Juin 34 qui est le top sans scrabler. XI fait 32 au même endroit. Et puis le top, c'est un double appui sur RE. Alors si on met le J, voilà, en cherchant, on peut trouver un jury, et puis il reste UX, donc c'est trouvable. C'est trouvable. Et si vous l'avez trouvé, bravo. Alors là, par contre, un coup très difficile, je trouve, hein, personnellement, les champions, peut-être qu'ils sont en mode automatique. Avec ce tirage, enfin avec les tirages en général et celui-ci en particulier, et que Rebeu, REU, BEU, ES ne leur pose pas de soucis, mais bon, ça reste un coup difficile, d'autant que la place n'est pas évidente puisque ça colle sur trois lettres. Sous-top et burné, adjectif, à 74. Rebeu sans le U en 14E fait 74 aussi, tennisman au pluriel. Berneuse, c'est le dernier des scrabbles possibles sur ce coup, en 13H, ça fait 72. Et sinon, 38 points avec buté ou bété en O1. Bété, c'est un adjectif. Alors ici, on verra les appuis potentiels de ce tirage, s'il y en a tout à l'heure. Un top avec une petite collante, voilà, Uno à 46, Tote et AUX sous top à 42, AUX et EUX, même place, ça fait 38, et l'UA en 1A, ça fait 26. Évidemment, sur la fin de la partie, les préparer des coups très difficiles, ça devient un peu plus compliqué. Alors, ici, une jolie petite collante avec désir, qui forme 4 mots, 3 mots de 3 lettres et un mot de 4 lettres, dont heure, H-E-U-R. Jolie place. Ça gagne 1 point sur litre et titre et triste en ligne, sur la ligne O, mettant un S au bout de Almelec, un Dizer en 14i. Et slide en O6 faisait 29. Alors ici, un scrap pas difficile à construire, l'éviter, mais
pas évident non plus à placer. Il faut aller penser à transformer BAI en BAI, BAIL. Et puis, bon, R, H, E, U, R, en mettant mettre un E au bout, c'est, comment dire, c'est classique. Mais voilà, le bail, ça peut se rater. Donc, 111, sous-top dévié ou devié en C2 avec le Z qui double, le mot qui double, ça fait 58. Et un magnifique Elsevier en triple en A5 qui fait 57. Et on a deux solutions en 12J, Lavier et Valier à 56. Le tirage suivant, là c'est un petit coup de vocabulaire, il faut connaître baile, ça se prononce comme ça, B-A-I-L-E, donc un E au bout de bail. Et à la verticale, il fallait former fake pour 59 et pour 3 points de moins, on avait cake au même endroit. En D1, kief, kifa et kif font 52 et kata en O1, 42. Et enfin, le dernier coup, il y avait deux solutions en 28, Kamba à l'horizontale et Kambé AI à la verticale en 4A. Sous top 24 points avec Acta ou Bata en O1 et Kamba AT en 12I, Taba AC forcément en 12H, formant host au passage. Voilà, on en a terminé avec le passage en revue des isotopes et des principaux sous-tops de chaque coup. On va passer maintenant aux définitions. Donc ça défile dans le rectangle vert à gauche de la grille et j'en donne lecture. Alors elles ne sont pas forcément dans l'ordre de la partie, hein. Ça dépend de... Enfin pardon, elles ne sont pas forcément dans l'ordre de la partie. Je prépare ces définitions, bien évidemment je les prépare, mais entre temps j'en ajoute, donc je ne les mets pas forcément au bon endroit. Et puis c'est pas non plus nécessairement exhaustif. Entre les mots joués au top, les sous-tops, etc. Voilà, il peut y avoir quelques c'est pas des oublis, hein, c'est volontaire, c'est pour qu'il y ait une sélection. Et si vous voulez vous approfondir, ben vous pouvez utiliser, alors si vous avez le dictionnaire, l'ODS sous la main, ben c'est très bien. Ou bien DupliTop, c'est très bien aussi. Et sinon, en ligne, vous avez m.crds.fr, c'est le site mobile, la version mobile du site du comité Dauphiné-Savoie qui m'autorise aimablement à l'utiliser pour les décodages de la chaîne Duplicate Club, m.crds.fr. Voilà. Alors, WACF, W-A-Q-F, nom masculin, bien de main morte dans les pays musulmans. Almelek, c'est un nom masculin désignant un alliage léger, un nom déposé. Prolo, familier, prolétaire. Repro, familier également, un nom féminin pour désigner une copie d'un original. Reprographie ou reproduction. Overport, un port pour overcraft. L'overcraft étant un aéroglisseur. Le raft, descente sportive, c'est pareil que rafting, hein. Descente sportive d'un cours d'eau en canot pneumatique. Rating, en marine, c'est l'indice permettant de classer les différents types de voiliers. Et en finance, c'est un indice de classement. Moi, je prononce rating à l'anglaise, mais là, apparemment, il faut prononcer rating. Hémolyse, la destruction des globules rouges, un nom féminin. Éployer, la même chose que déployer. Alors, la PET, P-E-D-T-E, en Belgique, en Belgique, c'est un terme d'argot désignant un échec aux examens, et c'est aussi un nom masculin en Belgique également. Et c'est familier pour désigner les fesses. La pesse, P-E-2-S-E, est une herbe aquatique. Diagonale, adjectif, je vous en ai parlé tout à l'heure. Aiglon, aiglonne, c'est le petit de l'aigle. Alors, rebeu, familier pour arabe. Avec un, vous avez toutes les graphies qui défilent en bas, donc je ne vous la refais pas. Hein. R-E-B-E-U, R-E-U-B-E-U, etc. etc. Éburné, adjectif, c'est la même chose que éburnéen, qui a les caractères de l'ivoire. Ce n'est pas un verbe, attention, hein, éburné. Uno, U-N-A-U, pluriel S ou X, mammifère arboricole d'Amérique tropicale. Lévité, participe passé invariable, donc pas de lévité, et E, se soulever par lévitation. Fake, un faux profil ou faux document sur Internet. Cambé en Suisse signifie enjambé. Prologue, nom masculin, c'est langage de programmation utilisé en intelligence artificielle. Le baile,
Au Moyen-Âge, c'était un prévôt dans le Midi. Et on a fait le tour des définitions. Allez, je vais vous laisser sur pour qu'il y ait quelque chose d'affiché, et puis peut-être que j'afficherai certaines définitions dans les tirages. On va passer maintenant aux potentialités des tirages. Alors pour ça, je change d'affichage et je reviens. Premier coup. Voilà, donc en premier tirage, il n'y avait rien en 7 forcément, sinon on l'aurait joué. Rien en 8 et en 9, rien non plus. Le tirage suivant, on avait morcelle, du verbe morceler, sur un O. Enfin, je crois que c'est le verbe morceler, hein. Oui. On peut écrire à E accent grave LE également. Donc ça, c'était pour les 8 lettres. Et en 9 lettres, et bien morcelle avec un S, tout simplement. Alors, le tirage suivant, enjuivé sur un J et en appui, pardon, en 9 lettres, invaincu, mini-vague, naviguier, anti-juive, avionique, ensuivé, suivez AIENT, vainquier, IEZ. Alors, dans les potentialités des tirages, je ne reviens pas sur les mots qu'on a vus pendant la partie, ou pendant le premier temps du décodage, ou encore les mots qui découlent des mots qu'on a vus pendant la partie ou pendant le premier temps du décodage. Parce que sinon, parfois, il y a des listes qui sont très très longues et on y passerait un temps fou. Alors ici, bon, rien en 7, rien en 8, rien en 9, évidemment. Ouh, là, il y avait Autoré, OTO2RH2E, mais pas de E, disponible. Pour le jouer en 9 lettres, bien sûr, le mot qu'on a vu, ainsi que Oroptère, Orodaté, Rochefort, Rocheron. Et c'est tout. En 9 lettres, donc. Le tirage suivant. Alors, tout ça, on a vu. Garantie, Granita, Gratina, Trading, Gantier, Garnite, Gastrine. Bon, là, tout ça, c'est prolongement évident. Intégra, transigé, Karting, Starking, Tringla, Migrant, Granito, Tripan et Givran. Je ne vous mets pas les 9 lettres parce qu'il y aura trop de solutions. Alors, ici, on n'avait rien qui passait, hein, ni en 7, ni en. Alors, en 7, il n'y a pas de solution. En 8, il y en a plusieurs, mais il n'y a rien qui passait. Enciment, Manite, Nantime, Maintain, du verbe maintenir, Matinon et Mitona. Rien de tout cela ne passait. On a joué Tennisman en 9 lettres. Et donc, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Lamantin, Tasmanien, Dominant. Bon, il y a beaucoup de solutions. Sainement, Menuisant, Immanent au pluriel, Annamite. Miniment, Manitol, ont beaucoup de pluriel en fait, hein, de 8 lettres, munissant, etc., etc. Allez, Hémolyse, c'était le seul Scrabble en appui, en 7 et en 8. Et en 9, on a d'autres possibilités. Hyperbole, hydrocèle, îlochère, polichette. Qu'est-ce que c'est? Poliquette, ça se prononce, poliquette, un ver marin, non masculin ou féminin, d'accord. Ben, jolie 9 lettres avec ce tirage. Hélophyte, géoglyphe, polythène, xylophène, polyéther. Ah, c'est splendide. Splendide. Alors, le tirage suivant. Rien en 7, rien en 8. Et en 9, péagiste, steppage,
Pégosité, Prestige, c'est tout. Ici, on avait également gondolé sur un O et en 9 lettres. Dégonflé, Dégoulina, Girandole, Glénoïdale, Godillant, Glandion, Glissando. Bon, sur 2 S, c'est impossible, mais ça vous permet de voir le mot, éventuellement de le retenir si jamais il ressort dans d'autres circonstances. Injurieux, c'était le seul appui en 7, 8 ou 9 lettres avec ce tirage. Ici, donc, qu'est-ce qu'on n'a pas vu ? Berceuse, gerbeuse, herbeuse, ébrieuse, ubérisée, burlée, éberluée, ébrouée, beurrée, ES, rebutée, retubée et verbeuse. Beaucoup de E's avec ce tirage. Je ne vous mets pas les 9 lettres parce qu'il y en aura trop. Ici, on n'avait que gueulant sur un G et en 9 lettres, tuvaluane, égueulant, angela, lunatique, ululé, AINT, reluquant. Ici, deux solutions en 8 lettres, deux solutions potentielles, un délisté et stridule, et en 9 lettres, bon, plein de pluriel et de conjugaison, estradiol, distillé, doloriste, stridulé étant un verbe au participe passé variable, hein, donc on peut bien jouer stridulé et e. Ensuite, bon, lévité, on l'a joué, sur un A, tavelier, un I, lévitier, forcément, vétillé, deux L, Z, ventilé, violeté, voletier. En 9 lettres, ben, il y aura essentiellement des conjugaisons, voire exclusivement des conjugaisons, veloutier, louvetier, télévisé, volterier, etc., etc., violenté, dévoltier, clavetier. Ici, rien en 7, rien en 8, rien en 9. Et ici, pareil, donc je reviens sur un coup précédent, tiens, je vais revenir sur le tirage avec le H et le Y, voir les 9 lettres, pour qu'on ait un petit truc joli à l'écran pendant que je vous dis au revoir. Voilà, bah écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette partie intopable. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à soutenir la chaîne tout simplement en vous y abonnant et en parlant autour de vous. Voilà, je referai ce genre de contenu si la chaîne, par chance, peut se maintenir. Il me faut 1000 abonnés pour ça. Voilà, c'est un peu radical, mais pour des raisons techniques et économiques, c'est nécessaire. Donc voilà. Et voilà, bah écoutez, continuez à passer du temps sur la chaîne, à venir jouer les parties. Alors, il y a d'autres types de parties, hein. Il y a des jokers, il y a des parties détonnantes, il y a des parties à vocabulaire courant, hein, pour les débutants. Donc voilà, je vous invite à en parler autour de vous. Il y a également des retransmissions de tournois officiels, hein, des tournois en 5 ou 7 parties, ou même en 3 parties parfois, les championnats de France, les phases, etc. Je mets tout sur la chaîne, comme ça, chacun peut y trouver son compte. Et puis, voilà, j'en ai terminé. J'espère que vous avez appris 2-3 bricoles et que vous avez passé un bon moment. Et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao.